Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Witcher. Aujourd'hui, on se retrouve après avoir terrassé le golem et avoir obtenu peut-être l'avant-dernière. Oui, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est l'avant-dernière pierre qui nous intéresse pour la quête de la tour mystérieuse. Malheureusement, pour la prochaine, pour l'instant, on est un petit peu bloqué. On n'a pas vraiment d'indice sur où la trouver, puisque c'est la pierre qui est censée venir par elle-même de notre côté. Donc ça, c'est déjà bon, c'est déjà un peu cryptique, un petit peu bizarre, mais on va faire confiance au jeu et on va faire confiance à Kalkstein. Il s'y connaît peut-être beaucoup mieux que nous là-dedans. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu, on va essayer de finir de vider notre journal de quête avant de repartir sur la quête principale. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Apparence trompeuse. Bon, ça on va attendre. Les Al'Ghul. Alors les Al'Ghul, on sait que ça va... ça sort le soir auprès des cadavres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va méditer. On a vu que là, en fait, là, je viens de voir sur le truc où il y a les briquetiers. Normalement, il y a l'air d'avoir des cadavres. Donc, on va voir ça. On va se mettre comme ça. Normalement, voilà, j'ai récupéré de quoi faire ça. Mais il me faut de la mouette blanche. Mais j'ai pas l'alcool nécessaire pour ancré. Donc on sait qu'il faudra en acheter. Est-ce que j'ai des points? Non, je n'ai pas de points. Donc on va juste se contenter de méditer. Et puis on va s'occuper d'essayer de trouver ce que Kalkstein a besoin sur les Al'Ghul. Et on sera plutôt bien avec ça. Alors, je crois que c'est 3. J'espère qu'il y en a qui traînent dans le coin. Ça va, les cadavres. Le truc, c'est qu'elles sortent la nuit. Donc aujourd'hui, quête secondaire. Globalement, voilà. Peut-être sur la fin, on fera un peu de... de quête principale. Et là, pour l'instant, on va faire la quête secondaire. J'ai trouvé ces foutus ghouls. Ça, hein, que je cours au milieu des ennemis. Je cherche juste ce qui m'intéresse. Ici, est-ce que si je te donne... J'ai reçu du gui. C'est-à-dire... C'est une pierre ou... Ah non, c'est un ingrédient alchimique. Ok, pourquoi pas. Donc je voulais vérifier, hein, mais noyeur, bordel. Alors visiblement j'attire la terre entière, mais je ne trouve pas d'Al'Ghul. Alors est-ce que du coup elles sont dans le cimetière? C'est possible. Finalement, près de cadavres. Du coup, il faudrait pouvoir rentrer dans le cimetière. Peut-être voir avec Vincent pour le cimetière. Tac, tac, tac. Yaron Bolt, si tu veux. Mais c'est le nain. Alors. Si je vais... un petit peu sur ma gauche. Cadavre.
Je vois des Bloodseekers. Bloodseekers, pas de ghoul. Malheureusement. Entrer dans une nouvelle région marée. Ouais, si tu le dis. J'ai des cadavres. J'ai des statues de golems. Et malheureusement, je n'ai pas ce que je cherche. Donc pour les Al'Ghul, bah c'est mort. C'est mort. C'est le cas de le dire, mais là... Là, si elles apparaissent pas après les cadavres, je vois pas comment les faire venir. Ça me semblait être une bonne idée. Ah non, 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 attends, toi. Ça me semblait être une bonne idée, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Du coup, on va courir jusqu'au... Jusqu'au camp, voilà, on y est. Et ici, on pourra regarder un peu ce qu'on va faire. Bon. Après, c'est juste un contrat de sorceleur. C'est pas non plus la mort si on le fait pas, mais ça m'embête un petit peu. Alors, enfant perdu, je l'ai pas croisé. Pour l'instant, en tout cas, je vois pas où est-ce qu'il pourrait être, donc on va laisser de côté. C'est peut-être une quête qui se fait plus tard. Perangar est vivant. On attend, je vais rencontrer Raymond, ça c'est la quête principale. Noble Art, bon bah c'est, il faudrait trouver une taverne. L'aider, bon on avait dit qu'on faisait pas non plus une fixette là-dessus. Je vais attendre sa prochaine action. Je fais une enquête. Oui, ils sont toujours suspects. Tour mystérieuse, je dois trouver la dernière Séphira, partie de thé, vieille amie, etc. Bon, Shani, on a déjà discuté. Donc là tout de suite, à part... Monsieur cherche un bar... À part retrouver Raymond, ou... Amenez-moi deux. Allez. Ou aller voir Vincent pour essayer d'aller dans le cimetière qui est le dernier endroit qu'on n'a pas visité. Allez, pour l'instant, malheureusement on va pas pouvoir visiter beaucoup plus... On va pas pouvoir vider beaucoup plus le journal de quête. Qu'on fera ça si on n'arrive pas à pénétrer dans ce cimetière. Normalement, Vincent, je l'ai innocenté. Il est plutôt sympa avec moi. Je pense qu'il y a moyen qu'il me permette d'aller dans le cimetière. Ah, il doit y avoir. Bon. On va les faire, c'est pas grave. Non, trop tôt. Ok. Pour cela, je veux bien m'arrêter. Le petit noyeur, ça se fait. Après, j'ai pas été de nuit du côté du cimetière. J'ai pas à souvenir. Peut-être qu'il y a mes fameuses Al'Ghul seront là, peut-être. Ce serait bien. On va aller voir. On va aller voir. De toute façon, je pense pas que Vincent soit possible de lui parler comme ça en pleine nuit. Je pense qu'il doit être dans le corps de garde en train de dormir. Donc, sur ce point, le jeu est plutôt bien fait. Hein. Les personnages ont leur rythme de vie. Ils sont à certains endroits, ils vont se reposer, etc. Ah, ghoul, parfait.
passer peut-être. Ok, pour lui. Le fantôme. J'ai des huiles pour ça, mais... pour l'instant, ça se fait. Passer en style rapide. Irten. Allez. Ok. Est-ce que tu as de la moelle? Tu as du sang de goule et du vinaigre de vin blanc. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai besoin. Ah, il faut vraiment que ce soit des Al'Ghul pour le coup. Bon, ça valait le coup de venir. On a affronté une ghoul et un fantôme. Bon, ça fait toujours de l'XP, ça fait toujours du matériel. Sait-on jamais qu'à un moment on ait peut-être besoin de tuer un certain nombre de spectres et on serait bien content de les avoir déjà tués. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller voir Vincent, voilà. Donc on va faire ça, on va y aller. On reste à l'affût de monstres qui m'intéresseraient. Un chien. Là. Il a l'air d'avoir une fosse, mais... garde, des gardes. On va aller voir au donjon, mais j'ai quand même des doutes. Des doutes qu'il y soit. Oui, non. Joseph, est-ce que je peux me reposer auprès de toi? Non. À plus tard. Malheureusement, non, je ne peux pas faire ça. Ça aurait été bien. Comme ça, j'aurais été à côté. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à la taverne. Je vais, on va faire un petit peu de tri d'inventaire. On va récupérer aussi les fragments de météorites pour voir si on peut forger quelque chose avec ça. Ce serait qu'un feu de camp, je pourrais faire des potions, tout ça, mais... Hop, à la serveuse. Ça y est. Alors, est-ce que tu as des choses qui servent à faire de l'élixir? Du cœur de cerise. Ça, je prends. Ok. Tout ça, c'est pas mal. Tavernier. C'est... alors, touc touc touc, qu'est-ce qu'on va pouvoir déposer? Ça, on peut déposer. Ça, on va... on va le laisser. Ça, je vais le garder puisque je vais le revendre. Et ça, c'est tout seul. Ouais, voilà. Non, j'ai pris un truc en trop là. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai pris? Recette de la forêt de Maribor. Ah, quoique, je pourrais le vendre. À la limite, je pourrais prendre tous ces livres. Et aller les vendre.
On va prendre ça. Ça, on va le vendre. Ok. Je me suis encombré de tout et n'importe quoi, mais... Ça... Ça va être utile. Ne vous inquiétez pas. Hop. On va méditer jusqu'à l'aube, déjà. Là. On va aller faire une hirondelle. Ah mais non, mais que... C'est pas ça que je voulais, c'est une mouette. On va faire l'élixir. Voilà. Et liseron. L'oriot doré, ça peut être intéressant. Le loup, c'est bien. On va faire un l'oriot doré, sait-on jamais. Et on va se mettre... jusqu'à ce moment-là. Je pense qu'on sera bien. Je pense que tout le monde sera debout aussi. Parfait. Maintenant, on trie tout ça. On va déjà utiliser ça qui va donner une aptitude. Parfait. Sur la glaive. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Pire, je le vendrai. C'est pas comme si, à mon avis, on va pas trop utiliser les runes dans le jeu. Je pense pas que ça va être une mécanique que... sur laquelle je vais beaucoup me pencher. Alors peut-être que j'ai tout à fait tort hein, de survoler cet aspect du jeu et du gameplay. Peut-être, peut-être pas, mais... Je sens pas une grande différence en fait, donc pour le moment, tout se passe plutôt bien à ce niveau. Et les combats qu'on perd, c'est vraiment parce que les ennemis sont beaucoup plus puissants que nous et je pense pas qu'une rune changera grand chose. Donc c'est pas très très utile. Hop, allez. Achète-moi tout ça, et il achète tout ça pour rien du tout, mais bon. Est-ce que c'est pas mieux que ça me fasse quand même un petit peu d'argent, au lieu de traîner dans mon coffre, et de ne servir à rien. Hop, 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 on est bon. Parfait. On va voir les forgerons nains. Donc, petit épisode d'aller-retour quand même. Ça arrive hein, de temps en temps, il y en a qui sont comme ça. Dans, de toute façon, dans tout ce qui est RPG ou même qu'il n'y aurait que quelques composantes d'RPG. C'est à quel... Me vendre Zol. Il y a forcément toujours... Ah, on peut faire quelque chose. Un clef forgé avec 3 fragments d'acier météorique, un bleu et 2 rouges, utilisé pour combattre les humains et efficace contre la plupart des monstres. Alors, je vais te vendre mon épée. Et je vais acheter l'autre. Voilà. Bon, bah je vais enfin utiliser mes fragments. Ça c'est plutôt cool. On a une nouvelle épée. Ouais, je pense que c'est celle de droite. Les humains sont étranges. Assez classique dans la garde, pas trop de fioritures. Mais après, si elle est efficace, c'est tout ce que je lui demande. Je lui demande pas forcément d'être belle, je lui demande d'être efficace. Après, bon, si elle peut être belle et efficace, on va pas se plaindre non plus. Bon. Essayons de pénétrer dans le... dans le cimetière, et sinon on va retourner voir Raymond et on va continuer la quête principale. Vous avez des problèmes bandits, d'accord. Qu'y a-t-il? Adieu. Non.
Ce qui m'aurait déjà donné un truc. Liste de suspects, info de Caxton, lettre tachée de sang. Mandat d'arrêt. Carte de tarot, journal de grand-mère. Liqueur de grand-mère, saindoux et cornichon de grand-mère. J'ai toujours pas pourquoi c'est dans mes quêtes, hein, mais on voit pas. Non. Malheureusement, rien du tout. Juste vérifier. Explique-moi ce déblègue. Si tu... Alors tu... Non, il n'y a rien de plus. Et... Ouais, il a un fragment de météorite, mais bon. Ah, par contre, il m'achète ça, donc... Oui, je te le vends. Il n'y a pas de souci. Et puis, c'est tout. Je vois rien d'intéressant. Hop. Bon. Et ben, on va aller voir Raymond. Là, je ne vois pas... Comment y aller? Voilà, il est chez lui. On va aller discuter avec lui. Je vais faire un truc, parce que si vous voyez, mon médaillon il bouge. Donc un petit truc qui tremblote en haut à gauche de mon écran, je le vois tout de suite. Il tremblote. Pourquoi il tremblote lui? Mon médaillon vibre pour vous signaler la présence d'un danger, de magie hostile ou de monstre à proximité. Mode actuel, recherche de monstre. Alors Raymond, continue à faire ton petit repas, mais je crois qu'il y a un monstre. Non. Arrêter. Pourquoi t'as du fistec? Petite boîte contenant du fistec. Ça doit être une sorte de preuve. Je n'aurais jamais cru que Raymond en consommait. N'allez pas en croire vos oreilles. Quoi? Attendez, n'oubliez pas mes faux frais. Et combien je vous dois? 200 orins. Cette enquête commence à me coûter cher. Je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Mes informateurs non plus, je fais le moins cher possible. J'ai vos 200 orins. Après l'attaque, ils ont transféré le prisonnier. Ça, c'est pas bon. Surtout qu'il est mort la nuit dernière. Comment? Il n'était pas en pleine forme, mais... Quelqu'un l'a aidé à sauter le pas. C'est ça. Demandez à Shani d'effectuer une autopsie. Quand on saura ce qui a causé la mort... Vous m'espionnez maintenant? Je connais mon boulot. À plus tard. Bon. Il y a un truc bizarre quand même. Je comprends pas pourquoi ça tremble. Parce qu'à part Raymond, il n'y a personne. Alors à moins que Raymond m'ait menti. Voilà. Qu'il y a un truc avec Raymond et soit un monstre. Mais du coup, je me rappelle pas si le médaillon tremblait déjà. Quand les premières fois on l'a vu. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train d'essayer de me souvenir. Mais ça, je me souviens pas du tout. Quand même essayer de parler au fossoyeur pour voir si je peux passer. Est-ce qu'il vous... Ah, vous pouvez poser des questions. Vous en savez long sur les décès dans la cité? Apparemment. Vous aidez les enquêteurs de temps en temps? À l'occasion, je renseigne Raymond sur les cadavres les plus intéressants. Je pense pas qu'une approche directe, il va m'en parler. Je ne fais pas confiance à Raymond. Il se cache quelque part. Raymond? Y a pas un type plus loyal que lui.
Dans cette affaire, il ne progresse pas. Je vais l'aider. Laissez-moi entrer dans le cimetière. Ah. Le conseil de la cité l'a strictement interdit. Comment vous faire changer d'avis? Il me faudrait une autorisation du capitaine Mess. Il n'y a pas un moyen de trouver un accord? En fait, si. Je dois une grosse somme à Talar. S'il efface mes dettes, je vous donne les clés du cimetière. Un prisonnier vient de mourir. Est-ce qu'il est déjà au cimetière? Pas que je sache. Mais je peux vous fournir un autre cadavre. Ils en pestent tous autant. C'est un cadavre en particulier qui m'intéresse. On fait le difficile, hein? Revenez quand vous serez fixé. L'autopsie, c'est tout un art. Faut toujours fouiller. Mais ça intéresse qui? Adieu. Ok. Donc, on sait comment entrer dans le cimetière. Donc, soit je parle à Talar et je paye la dette du mec, soit je vais parler à Vincent et il me donne le laissez-passer. Alors, on pourrait être sympa, lui effacer ses dettes, voilà. C'est pas comme si on roulait un petit peu avec... On avait pas mal d'or et que ça ne servait pas à grand-chose pour le moment. Mais quand même, il y a un petit côté radin, de temps en temps, qui fait que j'aimerais bien garder mon or. On sait jamais, hein, on sait jamais si à un moment, je sais pas, il y a une arme complètement pétée, qu'on pourrait s'acheter ou des choses comme ça. Donc je vais d'abord parler à Vincent, voir si il accepterait gentiment de me laisser passer au cimetière. Et on pourrait enfin découvrir cette zone. Qu'y a-t-il? Pouvez-vous m'avoir un sauve-conduit pour le cimetière? Sans problème. Faites un peu de nettoyage quand vous y serez. Je ferai mon possible. Ah bah parfait. Ok. Bon, c'était gratuit. C'est sympa. On va parler à Shani. Alors, je sais pas si elle va me parler, par contre, si... Non, c'est verrouillé, il faut faire le tour. Si je viens la voir pendant qu'elle est en train de travailler... Et après, on va récupérer les clés et on ira de nuit pour choper les ghouls. Alors, Shani... Tu es là. Il faut que... De quoi donc? Des gens sont morts à l'hôpital. Ok, j'étais en train de passer parce que je pensais que c'était le truc habituel. Explique-toi. J'ai interrogé un prisonnier. Des voyous nous ont interrompus et le garde a découvert leur corps peu après. Je vais te dire ce que j'ai appris. Le prisonnier doit être transféré en lieu sûr. Merci pour ta compréhension, Shani. Je fais de mon mieux pour veiller sur toi. J'ai besoin que tu fasses une autopsie. Quoi? C'est illégal. C'est indispensable. Viens chez moi cette nuit, on en parlera. À bientôt. À bientôt. Je dois passer chez Shani pour lui parler de l'autopsie, donc voilà, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on attende la nuit. On va essayer de faire les deux choses en même temps. Ça peut être intéressant d'avancer sur deux fronts. Et donc il faudrait récupérer les clés avant. Est-ce que c'est... Aïe. Je vais le mettre un coup dans le bras. Du micro, j'espère que ça n'a pas trop fait de parasites ou de bruit. Donc oui, ce que je veux dire c'est que on va essayer de récupérer les clés, comme ça on pourra passer quand on veut. Et ça évitera que cette nuit, en voulant y aller, on se retrouve comme un con devant la porte qui est fermée parce qu'on n'a pas les clés. Est-ce qu'il... Je veux entrer dans le cimetière. Le conseil de la cité. J'ai un sauve-conduit signé par le capitaine Mace. Voilà les clés. Allez voir dans la crypte où on met les derniers morts. Mais s'il vous tue, faudra pas venir me hanter. Adieu. Ok. Oh, j'ai une formule. Un élixir qui augmente l'intensité de tous les signes. Ok, gratuit comme ça.
Bah là, à part le gardien du cimetière, je vois pas qui c'est qui vient me le donner, donc sympa de sa part. Après, en même temps... Hildegard Solstock, t'es qui? Oh, oh, pauvre de moi. Personne ne m'aidera donc. Ta voix va pas avec ton visage. Mon mari me hante. Qu'est-ce que je peux faire? Il vous hante? Dans votre chambre? Feu, mon mari me hante. Intéressant. Il faut m'en dire plus. Mon mari nous a quittés il y a un mois. Et depuis, il hante ma maison et gémit toute la nuit. Mais le pire... Je vous écoute. Le pire, c'est qu'il vole autour du cimetière à minuit en criant des horreurs sur moi. Les mauvaises langues s'agitent déjà. Calmez-le, je vous en prie. Ça vous coûtera 200 orins en cas de succès. Oh, c'est une sacrée somme. Vous profitez de la misère d'autrui. Très bien. Je paierai. Je me suis occupé de votre mari. Vous avez une preuve? Vous n'avez rien demandé de tel. Je veux mon or. Vous privez une veuve de sa maigre pitance? Du calme. Ne craignez-vous pas d'être vue en compagnie d'un sorceleur? Soyez maudit! Prenez votre or et dégarpissez. Bon. Bah, le fantôme errant, c'est fait. Bon, pas des idées faciles. Hop. On va quand même méditer jusqu'à minuit. Je n'ai pas pris de niveau. Filtre de pétri. Ouais. Non. Bon, je vais rien faire. Pour l'instant, je suis pas mal. Des fois, tu réalises des quêtes, tu sais même pas. Là, moi, j'ai juste vu une goule. J'espère juste qu'il n'y a pas un monstre qui va apparaître. Non, c'est bon. J'ai juste vu une goule et un fantôme. Bon, bah, j'ai attaqué. Hein. Comme tout sorceleur qui se respecte, hein, il voit des monstres agressifs, il attaque. Mais, bon ben voilà, apparemment c'était une quête. Bon, la fausse vieille, là, a essayé de me rouler, mais... De toute façon, je... Bon, on n'a pas eu le choix, mais si j'avais eu le choix, je n'aurais pas laissé l'argent, ça c'est clair. T'essayes de me rouler, je vais pas être sympa avec toi. Il n'y a pas à chipoter là-dessus. Bien. Donc, allons au cimetière, comme ça après... Une fois qu'on a fini avec le cimetière, on ira voir Shani ou Kalkstein, si on a réussi à récupérer ce qu'il nous faut, pour les ghouls. Alors, je sais pas du tout si la zone va être grande ou pas, on va bien voir. Cimetière de Vizima. En tout cas, l'illustration était plutôt jolie. Alors, je vois des ghouls, c'est pas très grand. Ruine de la chapelle, entrée de la crypte, sortie vers le quartier des marchands. Non. Celui-là que je... Bon, alors on va essayer de fouiller tout ça. Évidemment. Prendre le petit signe de Hard. Qui va être très pratique là-dessus. Malheureusement, c'est toujours pas ce que je veux. Des roses blanches, des pastèques et des orins. D'accord. Ah bah.
Qu'est-ce que tu fous là? Je ne sais pas. Mais... ça aurait été rapide. Prendre les bords tant qu'on est là. Tac, 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 tac. Dans ta tronche. Les noyeurs et les noyadés, ça fait longtemps qu'ils m'inquiètent plus. Porte du quartier des marchands. J'imagine que c'est bloqué. Kalidwan, œil de corneille. Bon, je vais pas tout ramasser, hein, donc il faut pas déconner. Pastèque et de l'argent. Pourquoi pas? Pas grand chose hein, pour l'instant dans ce cimetière. J'imagine qu'on trouvera plus de choses dans la crypte, mais... poupée en sucre. Pourquoi pas. Occupons-nous de la goule. Mon enchaînement était stylé, sauf que Arb n'est pas passé apparemment. Et toujours pas de Al'Ghul. Gargouille. Avant, je peux lui donner quelque chose, mais quelque chose que je n'ai pas. Enfin, une petite sauvegarde. Pas que j'oublie. Pas que je sois trop confiant non plus. Non, il y a vraiment rien du tout. Bon, et ben, on va aller à... tiens, j'ai pas pris ces restes. On va aller du côté de la crypte. Ah, je suis un peu déçu. Je pensais avoir plus de choses à faire là-dedans. Bon, peut-être que la crypte est vaste, hein. Peut-être. Un petit chat. Ça aura pas du luxe. Ok, niveau supplémentaire, c'est plutôt sympa ça par contre. Un peu d'argent, du loot, des corps mutilés. Donc on va avoir de la goule. Passage. Ah! Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a marqué corps de Raymond. Donc on a un petit problème avec Raymond. Et c'est pour ça que mon médaillon vibrait. C'est que c'est pas vraiment Raymond. C'est pas vraiment Raymond qui nous attend là-bas. On finira par cette salle où il faut casser le mur. Bam.
contre, si tu veux appeler tes grandes sœurs, ça m'intéresserait quand même. Attends, parce que là, il y a quand même beaucoup de passages. Attends, parce que ça, c'est bon, j'en ai déjà suffisamment. Et reste, non, j'en ai pas besoin. Pierre aiguisée, j'en ai plein aussi. Il faudrait que je pense à les utiliser un petit peu avant de me lancer dans les combats. Je vais essayer de faire ça pour les prochaines fois. Ah, bah voilà! J'avais besoin de toi. Parfait. Oui, c'est ça, la moelle. Il en faudrait deux autres. Il y a une malle derrière là. Ah, vas-y, ressors-moi une algoule. Sinon, on viendra trois fois ici. Hein. Je pense que si je viens trois fois, ça devrait fonctionner. Je me demande si je vais là, non. En fait, j'essaie de les faire spawn, mais. Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. J'ai pas été ici, par contre. Ah, excusez-moi, je dois répondre. Ok, excusez-moi, petite interruption, on a sonné à la porte, il faut bien que je réponde. Et donc on est en train de s'occuper de cette petite goule, qui malheureusement n'est pas ce que je cherche. Et je suis en mode, je veux que les pires saloperies me tombent dessus. Ah oui, non mais le style puissant, là, il est en train de les défoncer. Depuis tout à l'heure, je m'embête, en fait. Des choses et d'autres, c'est toujours intéressant. De l'argent. Qu'est-ce que c'est ? Élixir inconnu. Bah, je prends. On essaiera de voir ce que c'est. Dague d'assassin, insecte. Ouais, c'est pas très ouf. Sarcophage, météorite rouge. Octroi temporairement. Non, ça marche pas. Si je fais ça comme ça. Si, voilà. Pas mal. Bon. C'est pas celle que j'utilise, mais... Ce sera parfait. Tac. Au cas où on croise ces humains. Une malle avec du soufre. Parfait. Ghoul.
Déception, déception. Bon, après, s'il faut vraiment farmer le truc, on le fera, hein. C'est pas un souci. Ça se fait vite. Je pense qu'on peut vite faire l'aller-retour. Et se reposer, refaire, etc. Mais on fera ça plus tard. Bonjour. Je vais avoir besoin d'accéder au corps d'un ami. Bah, un ami, c'est un bien grand mot, mais... Par contre, le Noctul qui s'y met aussi. Chut. Ouf. C'est presque one shot. Non, un one shot. Bien. Host Graver, Kinect de vin blanc. Ah! Ça va là-dedans. Comment ça se fait pour aller là-dedans? Voilà, Cric, on va l'acheter. Bah oui, ça va pas là-dedans, c'est bon. Alors attendez, parce que j'ai le chat qui vient squatter parce que ça a sonné, donc elle s'est réveillée. Voilà. Je l'aime beaucoup, mais... quand elle se frotte au micro, c'est assez chiant. Et malheureusement, c'était même pas une algoule. Je vais essayer de bluffer Hasard qui se fait passer pour le... Ah d'accord, c'est carrément Hasard. Poussière de diamant. Oui, je veux. Voilà les fraises. Et du vous en. La poussière de diamant. C'est beaucoup plus intéressant. Je dirais au Poucanier que j'ai trouvé la preuve de son innocence. À Talar aussi. Et j'imagine Kalkstein. Je ne dois pas confronter Hasard directement. Je dois chercher le soutien de ceux qui ont été accusés injustement. Et il y avait autre chose. Donc là, en fait, en allant dans le cimetière et dans la crypte, on a débloqué plein de choses sur les quêtes. Et c'est plutôt cool. Et donc finalement, moi qui étais parti pour faire quelque chose de très, très, très secondaire et annexe, eh bien, je me retrouve à bien progresser, en fait, sur la quête principale. Et découvrir que bah, Raymond a été tué. Raymond est mort et Raymond a été remplacé. Apparemment, le jeu me dit directement que c'est Hasard. J'aurais pensé peut-être à un change-forme ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, peut-être à quelqu'un d'autre de l'organisation de la Salamandre. Pas forcément que ce soit la tête pensante du truc qui se trouve directement en première ligne, mais... En tout cas, on va déjà aller voir Talar. On va l'innocenter, ce sera déjà une chose de faite. En fait, là, je vais faire le tour de tous ceux que je peux aller voir pour récupérer l'XP. Et comme ça, quand je vais me reposer... Et il faut aussi que j'aille voir Shani. Il est 3h, bon. On ira voir Shani après Talar. Comme ça, quand j'irai me reposer pour faire passer le temps et pour faire apparaître d'autres personnages, notamment le Fossoyeur qu'il faut que j'aille revoir, eh bien, je pourrai mettre le maximum de mes points d'expérience si on arrive à passer un niveau avec tout ça. Alors, tu te décides ? J'ai compris pour Javed. Balance ! J'ai la preuve que Javed se fait passer pour Raymond à l'aide d'un sortilège d'illusion. Le vrai détective est mort.
Javed voulait me lancer sur les pistes de Vincent, Boucanier et Kalksten. Nom d'un chien. Comment tu comptes lui faire son affaire à ce salaud? Il faut l'affaiblir. Mais je ne sais pas comment. Va voir les types à qui il en veut. Ils sauront peut-être. J'ai percé à jour la salamandre. Ouais. Je reviendrai. Ok. Quête terminée. On a dit Shani. Alors on l'a tous vu, hein, le petit petit nom d'assassin. Peut-être qu'on peut aller voir Kalksten aussi, en passant. Oula. Bonjour. Oui. Je... pensais pas te trouver dans cette tenue, bon. Je peux t'aider? J'aimerais te demander un service. Je t'écoute. Tu te souviens de Jaskier? Eh bien, nous voulons organiser une petite fête. Une fête? Pour parler du bon vieux temps, boire un coup, mais... Les boissons? Tu as deviné. Et je ne veux pas lui proposer un alcool médiocre. Qu'est-ce que tu aimerais? Vodka cerise, vin de rose et quelque chose pour toi. Je vais voir ça. Ok. Alors, c'était pas ce pourquoi j'étais venu. Oui. J'ai un problème. Oui. J'ai besoin de toi pour une autopsie. Une autopsie? Depuis quand c'est ton domaine? Depuis que j'enquête sur la salamandre. Très bien. Mais je ne suis pas médecin légiste. Tu devras interpréter nos observations. Rendez-vous ce soir. D'ici là, rassemble autant d'indices que possible. Je vais fouiner un peu. Tu devras obtenir le corps auprès du fossoyeur. On se retrouve à l'hôpital dans la soirée. Quelles informations pourraient nous aider pour l'autopsie? Demande à Vincent Mace et cherche des livres sur l'anatomie ou la pathologie. À plus tard. Ok. Ok, ok, on va faire ça. Bon, bah apparemment, Shani, par rapport à tous les autres, se change la nuit. C'était pas prévu, mais bon. Soit. Parce que Kalksten, voilà, il est pas en nuisette, Kalksten, il est en même tenue. Je vous soupçonnais de travailler avec Javed. Vous croyez que je dirais... Quelqu'un a fait beaucoup d'efforts pour vous faire accuser. Alors vous pensez que ce n'est pas moi? Hazard voulait que je croie que vous travaillez pour lui. Je ne ferai jamais cela. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ce fou tire ses pouvoirs de l'élément feu. C'est l'élément du chaos. Il échappe à la pensée rationnelle. Tout le contraire de l'ordre naturel des autres éléments. Je sais qu'il est dangereux de jouer avec le feu. Ça me suffit. Ok. Ça, c'est bon. Et on a eu une info sur Hazard Javed. C'est vrai, le jeu fait bien de le préciser. Et c'est une info intéressante. Petit assassin qui est par là-bas. C'est pas ça que je voulais. Suspect Boucanier, voilà. Où est-ce qu'il est? Il est dans sa maison. Alors je l'ai vu, hein, l'assassin qui est en train d'arriver. Alors, on va se contenter de l'ignorer. On va aller parler au Boucanier. Et après, je pense qu'on pourra se reposer.
et regarder un petit peu ce qu'on doit faire. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Non, mais t'es sérieux. Attends, c'est peut-être la porte d'à côté, non? Qui habite ici? Ça se fait pas de réponse. Je reforme. Ben voyons. C'est bouquin. C'est bon, entrez. Voilà. Tiens, prends tes 20 zorins là. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez la vérité sur la salamandre? J'écoute. Quelqu'un tenait à ce que je vous croie à la tête de la salamandre. Et moi qui croyais que la salamandre t'envoyait. Ça donne à réfléchir. Ils sont prêts à tout pour me faire dégager. Ils ont tenté de m'empoisonner. Ils ont envoyé des enfoirés masqués pour m'assassiner. Mais il en faut plus pour me faire la peau. J'ai cru que t'étais l'étape suivante. Je sais que vous pourchassez la salamandre. Je fais la même chose. Javed veut prendre le contrôle de mes affaires. Il a voulu commencer par les filles. Tu sais pourquoi? Même s'il a quitté Zerikania il y a un bail pour devenir mage, au fond de lui, c'est encore le même enfoiré de sauvage. Tu piges? Pas vraiment. Il a ses fantasmes, comme le feu. Les filles, il leur fout la trouille. Merci. J'ai beaucoup appris. De rien. J'ai percé Javed à jour. D'accord. Vous aurez l'effet de surprise, mais vous devrez affronter un mage tout seul. Peut-être que Kalksten aura une idée. Beau boulot, Lou. À plus tard. Ok, ça c'est fait. Bon, tu m'en veux pas, hein, je me sers chez toi. Des choses d'autres. Non, trombelle de Soden, je n'ai pas la place. Puis aller voir la penderie après. Pas la place, de mal. Et de l'or. Ok, on est bien. On prend la penderie, ça, on sort, on va aller voir le tavernier pour se reposer, comme ça je vais aussi déposer des choses. On va rendre la clé au fossoyeur et puis après on va s'arrêter ici pour cet épisode. On fera l'autopsie dans le prochain, on fera aussi quelques quêtes secondaires dans le prochain. Comme ça, on avance petit à petit. Malheureusement, c'est qu'on va devoir rendre la clé. Donc j'imagine qu'on n'aura plus accès au Al'Ghul. Et que c'était vraiment un passage unique. C'est dommage. Alors, il est temps de faire un peu de tri là-dedans. Donc ça, croc de nocturne. Ça, il faut que je trouve un vendeur. Rose blanche, je vais les garder. Ça, on va garder. Hop. Ça, je pourrais le vendre aussi. Oui, bon, allez, on va garder les deux élixirs inconnus. J'aime bien vivre dangereusement. La rouge de Toussaint, j'en ai beaucoup trop sur moi. Champion de Vizima aussi. Ou en bouteille aussi. Je vire en fait ce que j'ai en double. Les poudres pour l'instant ça ne me sert à rien puisque je ne sais toujours pas faire les bombes et le reste je garde et puis on est bien. Maintenant il me faut ta chambre. Vous avez une sac. Bam. On va mettre nos points de compétence aussi. Alors, j'ai un point de d'argent. Débloque le niveau K des signes, intensité de base des signes, ou... Oui, l'endurance,
c'est mieux. Après, j'ai des points de bronze à mettre. Donc ça, on avait dit que c'était pas intéressant. On va voir un petit peu du côté de l'argent. Peut-être qu'il y a des choses. Renversement plus 1%. Frappe de précision plus 10. Dégâts plus 25. Plus de dégâts. Lorsque l'ennemi est aveuglé. Bon, ouais. Douleur plus 15. Dégâts sous l'incinération. Ouais. On va mettre de l'entaille. Ce sera déjà pas mal. Mince. J'oublie qu'il faut pas cliquer sur le truc, mais... faire passer le temps. Ok, ça c'est... très classe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au feu. A priori, il est déjà allumé. Et je vais juste patienter quelques heures supplémentaires. Là, je pense que le fossoyeur sera là à ce moment-là. Et l'effet du chat devrait avoir disparu, c'est ça. Voilà. On est bien. Et c'est parti pour aller voir le fossoyeur. Et comme ça, eh bien, ce sera un épisode bien rempli. Assez long aussi, puisque je crois qu'on aura atteint l'heure. Un peu dépassé, je sais pas trop avec le... avec la petite ellipse que vous avez. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous pourriez me confier le corps du prisonnier pour une autopsie ? Pour une bonne bouteille d'alcool nain. Oh, je dois avoir ça... Rosée de Médecina. Cintria, non mais non, c'est pas ça. Macam, ouais, c'est ça. Hop. Ça fait du bien de se rafraîchir le gosier. À propos du prisonnier. Où voulez-vous qu'on jette le corps ? À l'hôpital. Il y sera ce soir. Adieu. Parfait. Bien. Oh, oh. Vous n'avez pas grand... Qu'est-ce qu'il vous faut ? Voici votre clé. Alors, du nouveau ? Le corps de Raymond repose dans la crypte. Mais je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Le mage illusionniste, le chef de la salamandre, a usurpé l'identité de Raymond. Boum. C'est fait. Je dois être à l'hôpital. Profond, ça. À minuit. Quête terminée. La gratitude du fossoyeur. Et voilà. Et bien nous, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Il aura étonnamment avancé beaucoup la quête principale, malgré ses airs de quête secondaire au départ. Et en attendant, bah, moi je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à dans 2 jours pour la suite de l'aventure Witcher.